aujourd'hui on est à nouveau joué à Saint-Jean Merveilleux. Pourquoi? Alors, pas merveilleux parce qu'on part de là où on est, c'est-à-dire notre petit paradis. Merveilleux parce que je suis pas morte, Iliane. Hier, j'ai mangé une pizza. Et tu sais qu'une pizza, ça peut me tuer. Et ben, je ne suis pas morte, j'ai survécu. Je pense qu'en fait, mon corps, des fois, il me donne des faux espoirs. Tu vois, il me fait croire que je peux manger des trucs avec du lactose et du fromage. Et quand je suis en confiance et que je mange, bam, d'un coup, il me défonce. Mais là, il m'a pas défoncé, donc voilà, il me met en confiance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'avoue, ça m'a fait un peu plaisir. Bon, faut qu'on organise notre vie. Mon frère et moi, on a pour ambition dans la vie de squatter l'hôtel d'où on part avant d'aller dans l'hôtel où on est censé aller. Parce que tu sais ce que tu perds, mais tu sais jamais ce que tu gagnes. Et là, on sait vraiment ce qu'on perd. Bon, on le sait très bien. Ceci étant, peut-être qu'il était temps pour nous de partir. Parce que comme c'est un week-end prolongé au Brésil, là, c'est un jour férié, il y a beaucoup de Brésiliens qui voyagent. Et depuis ce matin, je vois qu'ici, il y a plein d'humains qui arrivent. Et notamment des mini-humains. Tu vois ces mini-humains-là qui courent dans tous les sens et qui crient en sautant dans la piscine qui est juste en face de la fenêtre. Bon, c'est pas que j'aime pas les mini-humains. Hein. Faites-en, c'est trop bien. Mais j'avoue, j'aime bien le calme et la volupté. Aussi, un peu plus. Du coup, comme on est dans un lieu assez familial, je suis persuadée que ça va s'en remplir de monde tout au long de la journée et qu'on a fait un choix finalement très stratégique. J'ai un peu froid, sa mère. Alors, on va préparer le truc. Là, on va faire le petit-déj. Il nous reste 45 minutes avant qu'on doive laisser l'appartement. Et on va ramener toutes nos courses qu'on avait faites parce qu'on avait peur de crever de faim. Nous allons devoir nous trimballer avec nous toute la journée. Voilà. C'est ça quand t'as les yeux plus gros que le ventre. On a deux sacs de course. On a trois sacs de course. Et en fait, on a les courses complètes, quoi. Tu veux manger le gâteau? Pour le petit déj? Les gâteaux brésiliens, tu vas les vouloir? Non. Je fais un petit déj à 2-2 là. On se casse. Il y a plein d'humains enfants qui nagent. Ah ouais. Deux. Il y en a déjà deux, c'est ouf. Ah ouais. Et il y a un bébé qui pleure là-bas. Vas-y, faut qu'on parte. C'est un signe qu'il faut quitter cet endroit. Quoi? Attends, toi, ton délire dans la vie, c'est de laisser les trucs. Ah, j'ai mal au ventre. Oh là là, avant de quitter l'appart, faut que j'aille chier, moi. Oh putain, c'est encore cassé. Oh non. Oh la crampe. Oh la super crampe. Il y a ce petit bout, c'est des nouveaux bouts. Hein. La caméra, là, elle essaye des nouvelles choses. Et du coup, faut vraiment pas que ça touche, que la colle rentre dans la vis. Bon, celui-là, ça va. Faut que ce soit au millimètre près. Hein. Ouais, faut que ce soit bien aligné. Ouais, mais faut que ce soit bien mis là où c'était. Bah ouais, mais quand je le fous comme ça, j'ai pas l'impression que le trou il soit aligné. C'est pas chier la vieille. Elle prend le beau gosse. Elle dit vas-y, tu m'amènes. Le beau gosse, il a pas le choix. Et du coup, elle amène. Il l'amène où? Chez elle. Yes. Il est pas censé être maître nageur. Bah ouais. C'est pour ça que je dis, ça fait pas chier. En plus, le pire. Elle lui a dit s'il te plaît, au moins. Yeah. Amène-moi. Regarde, il pousse à 30 mètres. Mais hier, elle a fait le trajet toute seule, la nuit. Bah ouais. Hier, il n'y avait pas le beau gosse. Elle a fait le trajet toute seule. On l'a vu. Avant-hier aussi. Et là, quand il y a lui, elle fait genre, elle n'arrive pas à marcher. Oh. En plus, elle va juste en face. C'est juste pour traverser le truc. Non, mais elle a raison. Le pire, c'est qu'il tient à peine son truc sur le côté, donc ça sert à rien. C'est un soutien psychologique. Elle a entièrement raison. Voilà.
profiter les vieilles. J'espère qu'il est payé pour ça. Bah, il est payé pour surveiller l'eau. Ouais, et les vieilles. Ça... Bon, je voudrais me plaindre. Je me sens envahie. Il y a trop d'humains là. C'est plus vraiment notre piscine parfaite et notre lieu de vie parfait. On doit le partager avec des gens. Mais on s'est rendu compte que comme c'est férié, il y a 4 jours d'affilée là, de pont, parce que les Brésiliens adorent faire des grands ponts, c'est vraiment la spécialité brésilienne. Et bien, on dirait que les propriétaires des maisons, ils sont venus en vacances. Ils se la racontent, ils se croient trop chez eux. Est-ce que ce serait parce qu'ils sont chez eux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Ouais, même là-bas dans les maisons d'en face, il y a des humains maintenant. Alors que c'était tout fermé, on voyait personne, c'était très bien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis vas-y progressivement. Et après t'as dit? Sa mère la pute, elle est froide. Pourquoi on insulte tout le temps les mères? Peut-être son père le puton ou son grand-père le chauve. Tiens, on insulte les pères un peu. Mais c'est une piscine. C'est toujours les mères qui prennent, toujours. Ah. Ah, c'est chaud, c'est froid. On va y arriver, Liane. Moi, je pense qu'il faut rentrer d'un coup, comme ça, c'est réglé. Non. En plus, toi, t'as resté longtemps au soleil. Non, je pense... Le choc thermique, c'est chaud. Bah, si je me noie... Ah, mais moi, j'aime pas te chercher. Moi, elle est trop froide pour moi. Tu te démerdes. Bah, c'est bon, je demanderai au maître nageur, mais sauf que le... Avant, il y avait un beau gosse. Là, voilà. C'est le pas bégé, là. Bouche à bouche avec lui, ça te tue. Non, je déconne. Y a pas une maîtresse nageuse? J'ai jamais vu des maîtresses nageuses. Moi, je préfère. Hein. Moi, je me noie direct. J'en ai déjà vu. Je suis sûre qu'elles te sauvent bien. Elles font bien le travail de sauvetage. Il y a un papy en jet là-bas qui arrive. Il fonce droit sur nous. Bon. J'ai descendu une marche. Hmm? J'ai descendu une marche. J'ai un goût de crème solaire dans la bouche. Ta vie est super dure, Liane. Oh, ce qui est fait n'est plus à faire. C'est très agréable. Très très agréable. Bon. Je ne regarde absolument pas mon geste. Pour de vrai. Ah, il y a une petite fourmi, on va la sauver. Viens, une petite fourmi, on te sauve. Allez. J'arrive pas. Si, regarde-toi, j'ai réussi. Non, elle est hyper froide. Comment ne pas le juger? Elle est hyper froide, personne ne peut juger. Non, c'est bon, je peux pas. Ah, comme ça. Tu fais 1, 2, 3, bam, sois courageux dans la vie, Liane. Bah, c'est bon, là, je suis rentré. Mais non, t'as pas rentré ta tête. 1, 2, 3, bam. Tu vas mettre ma tête dans l'eau. Bah oui, tu vas mettre ta tête dans. La crème solaire. Bah alors, c'est quoi? T'as mis de la crème solaire sur ton corps aussi, hein? Ah, ouais, c'est vrai. Et ça me fait chier. Bon, je suis bien contente d'avoir fait toutes mes vidéos quand je suis arrivée, d'avoir bien exploité les lieux. Je pense que j'ai bien rentabilisé ces vacances si je devais faire un bilan de ces 5 jours ici. On part sur de la bonne rentabilité là. Et comme mon frère et moi on squatte après l'heure de départ, on est sur de la super rentabilité. Ouais. La dame du ménage, elle est trop gentille. Elle a dit, oh, vous pouvez rester jusqu'à 14h. Elle savait pas qu'elle disait ça. Nous, si tu nous dis 14, on part pas avant 18. Hein. Non, mais par contre, je devais rendre la maison à 11h. À 11h pile, j'ai envoyé un message à la propriétaire pour dire que tout était prêt. On avait tout nettoyé, mon frère et moi. On a tout rangé, on a enlevé les draps. Non, on a voulu simplifier la tâche de la dame du ménage. Seule chose qu'on n'a pas faite, c'est sortir les poubelles parce qu'on ne savait pas où c'était. Ah, je veux juste me reposer. Et pour le coup, c'est mes premiers moments de vacances où je ne vais pas travailler. Enfin, j'ai quand même ramené des cahiers pour écrire. Moi, je disais à Eliane, je suis sûre qu'on se sera emmerdé une semaine de plus dans ce paradis sans bruit. En plus, maintenant, il y a du bruit parce qu'il y a des humains. Lui, il pense pas. C'est contradictoire un peu ce que tu dis. Vas-y, exprime ta pensée. C'est contradictoire ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu dis on se sera ennuyé dans ce paradis sans bruit, mais là, maintenant, il y a du bruit parce qu'il y a des gens. Bah ouais. Donc, est-ce que le silence, ça te fait chier ou est-ce que le bruit, ça te fait chier? Bah, les deux. Bah, les deux, parce que je suis jamais problème. Contente, en fait. Il y a un mec là-bas, c'est une heure qu'il est... Pas une heure, depuis ce matin, depuis 9h30. Et il est 14h. Il est sur sa chaise et il regarde l'horizon. Et ça va, tu vois. Il n'est même pas sur son téléphone. Il y a le vieux là-bas aussi. Depuis ce matin, 9h30, il est dans la piscine. Et juste, il regarde l'horizon et il fait des allers-retours.
C'est marrant, il y a un truc. Il y a toujours un moment où les maîtres nageurs. Ils switchent. Ils switchent. Et ils se retrouvent dans leur maison de maîtres nageurs. Je sais pas ce qu'ils font. Et après, chacun repart à ses douilles. Je vais aller me rafraîchir. Ils sont chiants aussi, du coup, ils discutent. Ouais, je pense qu'ils sont chiants. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Il faut que j'aille. Faut que j'aille dans l'ombre. Bienvenue dans la famille des galériens qui essayent de profiter au max de cet hébergement. On a autant de courses qu'au début quand on a fait les courses. Il n'y a aucune différence. Non. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir manger, on va pouvoir se nourrir là. Parce que moi, je commence à avoir faim. Moi aussi. Mais en... ah. Okay. Mais quoi? Je sais pas si on peut bouffer des trucs... Bah franchement, on peut bouffer le thon avec les... pas le thon, mais le pâté de thon avec ouais. Les chips. Ouais. Vas-y, on se fait un petit repas. Alors, ne nous jugez pas. On est vraiment à la fin des box, mon frère et moi. On va prendre notre paquet ici. Sans jardin. Ouais. Elles ont pas de goût. Nous, on réussit quand même à être en mode pique-nique dans un hébergement de luxe. En vrai, ça passe crème. C'est 9, 10, 11 à la croisée. Ouais, 20, 23. Ah, j'ai cru que c'était ta 9e. Non, et j'ai regardé si la GoPro 11, elle valait plus la peine. Et en fait, je pense que pour ce que je fais, elle vaut pas plus la peine. Elle a l'air meilleure, tu vois, mais franchement, pour faire des vlogs, est-ce que j'ai besoin? Tu sais, j'utilise même pas la 4K pour faire des vlogs parce que c'est trop lourd. Ouais. Et j'ai trop de contenu. Et en fait, quand je faisais ça, mes vidéos, elles faisaient 6, 7 gigas, 10 gigas. C'était pas possible. Parce que j'ai un milliard de vidéos. Non, mais comme tu le vois, il est 15h. Mon frère et moi, on est toujours là. On s'est dit, vas-y, est-ce qu'on bouge? Non. Tu dois me voir comme des cafards, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cafards, là, depuis 11h du mat? Depuis 11h du mat, ils sont là. Même Leandro, il comprend pas notre délire. On fait vraiment SDF, quoi. Tout notre bordel là, c'est même nos courses, nos Kellogg's sans lait. Leandro il dit tu veux sortir de la favela, mais la favela elle est toujours en toi, elle veut pas sortir de toi. Mais moi je crois que c'est un peu pareil pour nous. Hein. Faut que je me mouille, j'ai chaud. On est dans le bassin des enfants. On se dit peut-être qu'il n'y a pas de pipi parce qu'il n'y avait pas d'enfants depuis longtemps. Et ce bassin il est un peu plus chaud. Oh, ça va, putain, c'est pas si chaud, c'est pas si beaucoup plus chaud. J'ai hâte de voir la tête des gens qui ont volé notre maison. Juste pour les regarder mal. Imagine, on fait ça. Je le ferai pas, c'est pas vrai, je rigole. Hein. Je fais pas des trucs comme ça. Ouais, je vais écrire des vidéos, je vais tourner des vidéos à la mer, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un moment, j'ai fait rien pendant ces vacances ici? J'ai essayé de dormir. Et au bout de 10 minutes, je suis devenue folle là. Hier, je me suis couchée vers 2h30. Ce matin, à 8h, je me suis réveillée. Meuf, même en vacances, quoi. Je sais pas l'affaire. Eh, mais c'est des muscles, ça. Attends, t'as vu quand j'ai dit ça, on m'aurait pas dit une vieille. Oh mon dieu, je vieille. Je vais. Bah, attends là. Oh ah non, je deviens une meuf de 40 ans. Bah, je suis pas d'accord avec toi, Eliane. Une meuf de 40 ans. Avant, je dis, wesh. Tu dis quoi là? On ne devrait pas dire ça. Personne n'aurait dit ça. C'est là qu'on voit que j'ai 40 ans, qu'il y a un décalage. Et que la jeunesse aurait dit quoi en tant que jeune? Oh, viens, on fait un sauna avant de partir, s'il est ouvert. Je crois qu'en journée. Les gens qui veulent abuser. Il est ouvert en journée. Ah ouais? Ouais, mais est-ce que ça a du sens de faire un sauna avant de partir? Je pense pas. Ça n'a pas de sens. Hein. Vas-y, c'était bien, on peut rester sur un bon souvenir aussi. Ouais. Puis on peut accepter que c'était génial hier et c'est bon, c'est fini. Ouais. Il faut accepter que les cycles se ferment aussi. Bon, allez, je vais écrire une vidéo. Il y a même des prises là. En vrai, mon frère et moi, on pense qu'on pourrait vivre tout le temps là. Voilà, sans avoir de maison. Ouais, les après-midi, juste on dormira là-bas, on reviendra ici la journée. Voilà. Je suis sûre, ils nous laisseraient rentrer en plus sans rentrer parce qu'ils savent pas qu'on est parti. Et qu'ils nous aiment bien, on est gentils. Ouais, moi, je me suis posée là dans mon petit bureau. Moi, je suis bien. Franchement, je reste là jusqu'à qu'il fasse froid. Alors, est-ce que tu aurais pas envie de récupérer mon micro? Non, j'y vais, t'as bon. J'ai essayé, qui ne tente rien à rien. Bon,
faut se rendre à l'évidence, hein. Il y a bien un moment où il faut partir, les bonnes choses ont une fin. Il y a beaucoup trop d'humains là qui arrivent et donc il va falloir qu'on parte. Ce qui est marrant, c'est que c'est toutes des petites ados. Elles sont chouchoutes, j'avoue. Elles sont mignonnes. Bon, on va... Attends, tout à l'heure quand même, il y a une meuf, elle s'est mise dans le siège où je me mettais tout le temps et j'ai osé dire cette meuf est à ma place alors que je suis ici et que toutes mes affaires sont de l'autre côté et que j'ai même plus de maison. Pour te dire le niveau d'abus, je crois à chaque fois qu'on croit qu'on atteint des niveaux d'abus, on arrive à faire mieux avec mon frère. T'as pas l'air très motivé pour bouger. Tu veux pas bouger? On va plus tard, si tu veux. On se rend vraiment compte qu'on était dans un endroit de riche. Là, tout à l'heure, il y avait des petites, elles étaient dans la piscine, et des ados. Et en fait, il y a le maître nageur, et elles veulent des trucs de piscine. Je sais pas comment ça s'appelle. Les frites. Là. Elles veulent des frites. Et elle lui dit, hey, monsieur, donne-nous les frites. Ni bonjour, ni s'il te plaît, ni merde. Tu vois, de tous les côtés, il y a des humains. Ni merci, ni merde, ni rien du tout. Et j'ai dit, putain, ça a l'air d'être vraiment les petites riches brésiliennes. Parce que les Brésiliens, ils ont un peu ce truc. Les riches, ils traitent super mal les gens qui travaillent pour eux. Ou les gens de service. Et putain, j'ai envie de pisser. Je me suis retenue toute la journée de pisser parce que j'avais plus de maison. Mais là, faut vraiment que je pisse. Dans l'endroit, il y a le sauna, il y a des toilettes. Ouais, ouais. Et donc, au début, je lui ai dit, ouais, je suis sûre, c'est des riches et tout. Et on était pas très sûrs. Et quand on est passé, on a vu que les gens... Attends, j'ai mon ordi ou pas? Ah oui. On a vu que les gens, ils étaient en train de boire leur petit vin blanc là, sur la terrasse, avec les petites ados. Et je me suis dit, ah oui, c'est sûr, bah, c'est des riches. Et donc on se disait, c'était génial ici. Mais ce qui était un peu dur, c'était d'être dans ce monde un peu de riches, qui nous correspond pas. Oui, ça devait. Et les gens même, genre, bonjour, ils étaient plus forts, en fait. Ouais, j'avoue, depuis ce matin, je dis bonjour à des humains. Je ne me calcule pas du tout. J'ai mon frère. Il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui va venir pour me dire mais dégagez en fait. Oh, regarde cette vision. Dégueulasse. Et comment ça va? Bien, hein? Ouais. L'espace zen. Allez, c'est le grand départ. Finalement, on y va. Ciao. Ciao le luxe et la volupté. Ciao, ciao. On reviendra peut-être un jour. C'était très sympa. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ça va bien. Ben, feliz mensch. Bon voyage. Obrigada, ciao, ciao. Ciao, ciao. Je t'ai aproveito bastante. Obrigada. Oi, tudo bem? Alors, franchement, on avait peur d'y perdre au change, mais en vrai, regarde où on arrive. Là, la piscine. Alors, il n'y a que nous en ce moment dans la maison, donc la piscine est que pour nous. Nos petits transats pour travailler. Et là, la vue sur la mer. Là-bas, il y a une première plage qui est magnifique, que j'aime trop. C'est une de mes plages préférées. Et là-bas, au fond, là où il y a le coucher du soleil, une deuxième plage que j'adore. Donc voilà, trop contente. Et Liane, viens voir le coucher du soleil en 2-2 à la mer. C'est au bout de la rue. Ouais, j'ai plus de batterie. Go! Je suis trop contente. Ah, y a un chat ici. Super, je suis trop contente qu'il y ait des chats. Bah les couilles du chat. Super, non, vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment une information qui me passe, mon frère. Il me dit qu'il y a un chat. C'est une information qu'il estime pertinente. Recassé, Liane. Je te jure, ça s'est recassé. Oh non! Au même endroit, je crois, putain. Ma caméra s'est recassée. Enfin, mon truc là, putain. Allez, Lia, nous allons marcher vers le soleil. T'es heureux? Ouais. Moi aussi. Le coucher du soleil. On va pas le louper, on va l'avoir, le coucher du soleil. On va bien l'avoir. Ah, les deux touristes qui se... Bon, et ben ici c'est une plage où j'étais beaucoup venue avec Leandro. Il va être trop content qu'on habite ici quand il va arriver. C'est trop trop beau ici, vraiment trop beau. La journée c'est incroyable, la nuit c'est incroyable, le coucher de soleil est incroyable ici. Je suis hyper heureuse qu'on soit là, vraiment. Et la plage de l'autre côté, tu vas la reconnaître demain quand on va y aller. Elle est trop belle. Franchement, c'est beaucoup plus simple que là où on était. C'est beaucoup moins beau, c'est pas décoré, machin.
Mais on est quand même... On est à côté de la plage, quoi. C'est une maison de plage. Moi, je suis contente. Hein. Ouais, il y a une serviette pour toi et une couverture pour toi. Tiens, mon frère. Alors, on est en plein dilemme pour manger. Pourquoi ? Comme on a plus de beurre. Tout ce qu'on a envie de manger, bah, faudrait qu'on ait du beurre. Putain, la lumière, elle est dégueulasse. Notre fumée, c'est horrible. Mais heureusement que j'ai toujours avec moi une petite lumière. Bon, je vais essayer de télécharger une application. Alors, mon frère, à son tour, va goûter le fameux hamburger de Losers. J'avoue que ça rigole pas du tout. Ils ont pas le temps là. Eux font des hamburgers, ma gueule, ils ont la taille. Ils ont la taille de ta mère. Notre mère, elle est pas petite. Je le soupçonne de me faire des hamburgers méga bons parce qu'il aime trop. Il a mis des oignons rings. Alors on valide ? Ouais.